établissements financiers. L'idée est la surveillance de 130 banques. Obama a fait avec une loi qui s'appelle la loi FATCA. François Hollande, depuis 2 ans, n'a pas été à la pointe du combat qui était une des promesses phares de sa campagne et du discours du Bourget, à savoir « je vais me battre contre la finance ». Je l'ai constaté de l'intérieur et je vais vous dire, je le regrette. Parce que je pense que le politique a besoin, au contraire, d'honorer ses promesses. Et donc là, il ne l'a pas fait. On le voit à travers une loi bancaire qui est une mini-loi bancaire. On le voit vers la taxe sur les transactions financières qui est une mini-taxe. C'est vraiment la responsabilité de François Hollande et d'Angela Merkel qui chacun se sont fait le VRP de leur établissement bancaire. François Hollande et son ministre des Finances a défendu la non-taxation de produits dérivés. Et je viens de vous dire que cette banque, elle vit grâce à son bénéfice sur les produits dérivés, tout comme la BNP.